C'est bien, c'est bien. Allez. Attention. Alors effectivement, on peut contrôler soit notre jeune héros qu'on connaît tous, hein, Léon Scott Kennedy, ou Elsa Walker, qui devait être le deuxième personnage à l'époque, hein, qui n'était pas Claire Redfield, qui fait partie aussi, hein, du Raccoon City et Police Département. Alors elle est en tenue de moto, hein, parce qu'on sait que de toute façon, ça fait référence du coup à Claire qui, elle, arrive en moto normalement. Mais elle a vraiment une tenue de moto, ses limites. Elle sort d'un Gundam, mais bon. Allez. Voilà. Pas de son. Merci. Évidemment. Et là, t'es lancé dans le jeu, hein, vous allez voir. Hop! Je sors dans le jeu, il y a plein de zombies devant la grille. Bon, ils peuvent pas passer. Alors, tu n'as. Tu es. Oui, tu as un couteau. Mais. Ne vous inquiétez pas. On a ça. Voilà tout ça. Alors vous allez dire, c'est beaucoup de munitions. À quoi ça sert d'avoir tant de munitions? Si c'est trop fort, vous me le dites. Hein. Parce que ça reste quand même trop fort dans le gaz. Je vais baisser un peu. Ça, je suis vraiment en dessous de tout en termes de son. Dans la musique, vous reconnaissez. Ça ressemble beaucoup à la musique du 2. Ça a été retravaillé après, c'est beaucoup mieux, mais bon. On a le Magnum, fusil à pompe, ça je pense que c'est une mitraillette, ça c'est complètement abusé. Ça c'est le flingue coup par coup, ça c'est le triple shot, enfin le triple tir, excusez-moi. Pas parler anglais non plus. Quoi? Allez, vas-y. Donc là ça sert à rien de tuer les zombies dans ce jeu, parce que quand tu tues les zombies, tu sors de la pièce, tu reviens, et ben ça revient. On va fouiller 2-3 trucs, on va faire 2-3 machins, on va tuer des zombies. Voilà. Bon, on sait qu'il y a des zombies qui sont dans le coin, c'est sûrement derrière ça. Enfin, derrière le volet. Putain, on évolue. Ça évolue. Ne pas tuer les ennemis, hein, c'est ça. Alors quand ils meurent, ils disparaissent, hein, les zombies. On a des munitions, est-ce qu'on va les ramasser? Joséphine en gardien. Touring. Allez, on s'est suffisamment amusé avec ça. Mais c'était ça. Tu me respectes, s'il te plaît? On passe aux bombes. Bon, à ce rythme-là, hein, je suis foutu. Hein, faudra pas que j'utilise. Faudra pas que j'utilise mes armes comme ça, mais. C'est tout. C'est-à-dire que je suis venu ici et il n'y a rien. Que j'ai une carte. Oui. Quand
Alors, c'est la grande salle en question. C'est le couloir. Là, il y a un grand machin. Ah, il y avait une salle ici. D'accord, ok. Bon, j'aime bien ces petits Resident Evil à l'ancienne, même si là, sur le coup, il est codé avec le cul. Ah, du coup, ils peuvent s'allonger pour revenir, d'accord. Mais il n'y a pas de puissance, ok. On peut aller là, ça nous mène à... Ok. Ah oui, alors ils ont... Au niveau de l'affichage, hein. Ils ont pas mis le fait que j'étais caché par les textures. Il n'y avait pas moyen d'avoir l'étage d'après? Il n'y a que le. Voilà. On a que la carte de l'étage. Je fais un coca là. Attendez, attendez, attendez. Oh, attendez. Vous mettez en rouge et c'est bon, vous l'avez. Ça marche. Il y a juste un truc aussi que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est... Je suis en train de bouffer un cadavre quelque part, tout le coup. Énormément à une salle du 2 où justement ils sont en train de faire un cadavre tout autour et c'est vraiment chiant pour le coup. Alors, il a du sang électrique contaminé acide. Tu peux te déplacer, tu peux faire des trucs, mais tu peux pas le shooter, d'accord, ok. On a plein, on a... Ah bon d'accord, ok. Ok, j'imagine qu'ils se lèvent tous derrière nous, mais on s'en fout. On est là pour faire des trucs. Faire des trucs, faire des machins. Plus grand encore. Ça fait beaucoup. Hein. Ah non, mais je. T'es sérieux?
J'ai vu un amas de chair là-bas. En gros, ils ont créé le niveau, mais ils n'ont pas créé les objets qui vont avec, quoi. Tiens, c'était cool comme ça, là. On s'est bien amusé. Sur les zombies à coups de fusil, c'est très marrant. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est au McDo. Alors, ça c'est rigolo. Ça. Mais vous êtes sérieux? Mais même, vous êtes sérieux, les gars? Oh, j'ai pas la force. Je sais pas d'où vient. Je sais plus. J'aimerais bien revenir avant juste pour vous montrer le truc. Bon voilà, c'est on évolue à la manière d'un super. Allez, on passe au niveau dessus. La gueule le jeu. Mais il se fout de la gueule. Ça va, j'ai pas l'air d'être spécialement blessé. Ah bah de toute façon. Mon Dieu. Bon, je vais juste vous montrer un truc et après on pourra dire adieu. En gros, de toute façon, le jeu n'est pas fini. Et puis je crois qu'on peut pas, en fait, il peut pas être fini parce qu'il est pas fini. Hein, voilà, vous avez fait. Mais il y a de, voilà, il y a des trucs qui sont amusants, je dirais. Et même pas les transitions avec les portes, les machins, quoi. Ça devient fade. Quand je pourrais aller là. J'ai juste fouillé cette salle là, c'est quoi? Alors on retrouve hein, quand on fouille bien. Ouais bon tu sais quoi. Hein. C'est juste des munitions je crois ici. Alors, en fouillant un peu plus tard on retrouve le Chef Irons. Vous connaissez tous. Sauf que là si je me trompe pas, il est pas méchant. C'est juste le chef de la police, quoi. Osef. Le Osef est plus. Et plus que jamais. Jouissance.
Alors, est-ce que je vais vous prendre le flingue que j'ai déjà, avec plein de munitions? Oui. Hop là, un zombie qui apparaît derrière, enfin, dans un mur. Et là, vous voyez, cette petite photo, c'est la photo de Claire Redfield, qui est manquant, tout ça, machin, et là, finalement, ils ont fait leur principal personnage. Alors, je sais pas où est-ce que ça descend, ça. Je crois qu'il y a... il y a les prisons, enfin, il y a la prison, au moins. On peut encore descendre. Putain la vache. Elle va aller dans le cul quoi. Et je peux sauvegarder. Hey. C'est hall de projecteur. Voilà. Voilà, on retrouve évidemment les fondamentaux. Ils ont Resident Evil à l'ancienne, quoi. Il a considéré que je... Alors que j'étais de dos hein, par rapport à lui. On sait qu'il y a des zombies ici. La salle ne ressemble pas à celle qu'on a vue tout à l'heure. Non, pas du tout. Elle ressemble pas à celle qu'on a vue tout à l'heure. Non. Ouais, il y a des zombies partout. Il y a des zombies partout. Hein. On peut remettre la puissance ici. Petite référence aux deux, quoi. La puissance, bon, franchement, on avance dans le jeu, c'est quand même fou. Hein. Je suis dégoûté de pas avoir un ruban encreur parce que sinon, sinon voilà. Voilà, cette carte ressemble énormément à celle qui est avant le garage. On va voir des chiens. Ah oui, c'est les prisons. Attention. Non? Pas un petit effet de... Quand je serai grand, je serai un zombie, non? On a le droit d'aller dans la prison, hein? Enfin, dans la cellule. Alors si je me trompe pas, normalement, quand tu passes ici, il y a les mains qui sortent, justement. Ils ont repris, bah, du coup, pour le commissariat, mais... Alors on peut voir que le commissariat n'a vraiment pas grand-chose à voir, hein, pour... C'était pas ici. Bon, il y a certains éléments de décor qu'on reconnaît bien. Enfin voilà, c'était c'est Resident Evil. Peut-être passer par là où il y a les zombies. Pour casser du zombie et puis on se casse quoi. Jouer. Dommage, bien essayé. Il a disparu, il était trop loin, il était hors de ma vue. Hop. Il a fait un petit coup de Joséphine ange gardien. Et c'est bon quoi. Un truc. Excellent. C'est tellement bien foutu. Non, non, mais... Normalement, il y a une clé que tu récupères ici.
Bon, ça fait... On voit qu'ils avaient déjà des idées précurseurs. Voilà, bon, je vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, ça n'a pas d'intérêt, parce que de toute façon, tu peux pas vraiment finir le jeu. Mais voilà, c'est Resident Evil en 1.5, c'est la première ébauche avec Elsa Walker, voilà, votre servitrice. Je vois, disons genre. Et c'est ce qui a donné. Enfin, le projet était abandonné à peu près à la moitié. À la moitié du projet. Oh putain, la vache, je suis transparent. Limite. Ouf. Voilà, en gros. Ils ont abandonné le projet, ils ont gardé 2-3 trucs, hein, des éléments de décor, des éléments CNF, enfin de gameplay, là, des zombies qui se lèvent, qui se lèvent, parce que moi j'arrive plus à parler. Et. Ah, elle est blessée, tiens. Ah ouais. Voilà, là elle est mieux. Voilà, ce truc-là aussi, typiquement, c'est, ils l'ont rajouté. Dans le 1, il n'y était pas de l'époque. Le fait d'être blessé, ça changeait pas ton personnage, il se tenait de la même manière. J'ai pas remarqué si le sang, ça a été quelque chose qui était rajouté. Soit elle, soit sa combi. Au fur et à mesure qu'elle s'est fait taper. Mais bon, voilà. Resident Evil 1.5, ça le mérite d'exister. C'est pas, je vous invite pas à le faire, hein, juste pour prendre connaissance. Allez, des bisous YouTube, salut.